Bon, c'est pousquant, là, je m'impatiente. Merci beaucoup, Alzuria. Merci pour la participation incroyable. C'est très gentil. T'es passé par la plage à plan ou pas? T'as trouvé des trucs qui t'aident sur la plage à plan? Parce que je me sens mal à chaque fois, tu me files plein de trucs et moi j'ai rien. J'ai rien. C'est pas juste. Toujours rien pour moi, oh non. Ça craint, c'est nul. Léopold. Léonard. Putain, j'ai 3 posters de lion. Vous connaissez la traîne du lion ou pas? Bon, y a que moi qui connais ça. Si vous connaissez la traîne de Liam et de l'acier galvanisé, peut-être vous connaissez la traîne du lion aussi. Jeannot, il est où Jeannot? Ouh, il est moche Jeannot. Ouh là là. Louis. Je l'ai. Jeff Bezos. John. Lou. Il y a que des monosyllabes, c'est rigolo. Lou. Ok. Joseph. Oh, la tête de Joseph. Pas fou, hein. Incroyable. De quoi? La traîne du lion? Lobo. Tommy. Je ne veux pas me marier, donc jamais. Oh non! Oh non! Tu peux faire un effort et pas te marier, Lifranox, peut-être. Genre, le mariage, qu'est-ce que c'est, finalement? Lico. Jaco. Lupio. Lila. Ok, j'ai tout fait, j'ai tout vu. Laurent. C'est Laurent. Est-ce qu'il y a Laurent et Laurent? Parce que j'ai un Laurent ici. Mais j'ai pas de Laurent. Salut Soukai, ça va et toi? C'est pas grave, on fera tout ce que tu veux. Chaque semaine, je vais trouver un truc que j'ai en masse à te filer pour le catalogue. c'est gentil. Du coup, il y a... Attendez, je vais remonter, voir si je vois Laurent. Ah oui, il y a Laurent. C'est Laurent Houtan. Et il y a Laurent, qui est un petit singe aussi. J'ai tout pris. Parce qu'il y a des trucs planqués derrière l'arbre. Lobo, Laurent. Ok, très bien. Et attends, je crois que lui, je l'ai pas, là. Wait. C'est un papillon de mai, ça. Toi, t'es un papillon de mai. Viens là, papillon de mai. Ok. Le musée. C'est important. Il y a plein de trucs à mettre. Ah! À l'aide! Je sais plus où donner de la tête. Super. Enfin dans la nouvelle maison, bravo Soukai, trop bien. GG à toi pour la nouvelle maison. Champ de céréales. Oh, ça c'est chouette pour la déco. J'imagine que c'est celui-là. Énorme. Vraiment tout ce que je veux, t'es sûr. Ah. Ça se pécho. Je suis presque à la moitié pour les posters. Ouais, énorme GG en vrai. Bravo. Expertise-moi des fossiles déjà.
Et après avoir posé des trucs au musée, je vous dis où est-ce qu'on en est en termes de pourcentage. Alors, qu'est-ce qu'on donne? On va commencer par la toile parfaite. Toile parfaite, c'est donné. Je vais vous laisser, je vais manger. Bon appétit, Azuria, merci encore. Merci pour ton aide. Donation. On est quasi tous les jours en montage de meubles, mais au calme, je m'imagine dans ACNH de la vraie vie. Trop cool en vrai. J'adore moi construire des meubles. J'en ai construit 3 il n'y a pas très longtemps. Je t'ai refait, j'en voulais plus. Vraiment, je devrais ouvrir une autre entreprise de je viens monter les meubles à votre place. Moi j'aime bien. Et je vous fais un stream privé. Genre je monte des meubles et je dis de la merde pendant ce temps, comme ça vous rigolez. N'hésite pas, j'en ai en stock à monter. Attends, c'est quoi mon tarif? C'est 200 balles la journée? C'est pas mal. Et j'ai 2 insectes. 2 seulement? Ah, le papillon violet et rouge de tout à l'heure, je l'avais déjà. Ah, Sasakia. 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 La 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 la. Un Sasakia Charonda. Quelle abomination sur pattes. Il faut pourtant faire mon devoir des études en savoir davantage. Oui, dis-moi tout. J'aurais mieux fait de fermer mon grand bec. Le Sasakia Charonda niche sur les cimes d'arbres et est célèbre pour ses charmantes ailes pourpres. L'envergure massive de ces dernières associée à son talent pour l'esquive en font une capture fort prisée. Mais entre nous, les aficionados des papillons s'enthousiasment ici fort mal à propos. Que font-ils de ces 2 affreuses cornes qui jaillissent de sa tête lorsqu'il est encore une chenille? Et le fait qu'ils se délectent de cadavres et de déjections d'animaux, ça ne les dérange pas? Je ne comprendrai jamais qu'on puisse aviser ces vermines sans avoir un haut le cœur. Qu'est-ce qu'il est vénère avec les insectes, ça me fait rire. C'est rigolo, lol. On a le patineur. 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 Dis-moi tout. Les patineurs sont écœurants. Déjà, ils patinent sur l'eau, ce qui confine au grotesque, on en conviendra. C'est jaloux, Thibaut. Et pour ça, elles sécrètent de l'huile sur les poils de leurs gambettes. C'est à ce à quoi je réponds, berk. Et qu'est-ce qu'ils vont inventer ensuite? Font-ils patiner dans l'air? À travers les murs? Putain, cette réflexion de boomer. C'est quoi la suite? Hein? Je vais pas faire de blagues de boomer. J'ai plein d'idées de blagues de boomer, y en a aucune qui me plaît. Aucune ne me plaît. Salut. Ah, mon meilleur perso. C'est mon Will. C'est mon Will d'Animal Crossing. J'ai plus de café d'ailleurs. J'ai préparé cette tasse spécialement pour toi. Tu m'en diras des nouvelles. Vrou. Vrou. Vrou, vrou. Ta-da-da-da. Quel bonheur. Rien que ce petit tout-dou-dou-dou-dou. Oh wow, on n'aura jamais le 45% aujourd'hui. Parce qu'avec tout ce que je viens de cataloguer qu'Alzuria nous a amené, nous sommes passés à 43,3% des items. C'est pas aussi énorme que ce que je pensais. Tout ce qui grouille en achievement. Tout ce qui grouille.
J'imagine que c'est You've got the bag. Non, c'est pas celui-là. C'est Bug Don't Bug Me. Bugs Don't Bug Me. C'est celui-là. C'est celui-là, c'est le numéro 3. Unlocked. Mais j'étais en train de regarder un épisode d'animé. J'ai été transféré ici à la fin de mon épisode. Ah, c'est logique, Lucas. Enfin, c'est normal. Après un animé excellent, on arrive sur un live dantesque. C'est l'algorithme YouTube. Il a raison. Bienvenue. J'espère que tu vas bien, en tout cas. J'espère que tu passes une bonne journée. Quel était ton animé? J'ai envie de te dire. J'ai envie de te demander, j'ai envie de te poser la question. Bienvenue, en fait. Si ça se trouve, écoute, Lucas, moi, j'ai envie de te dire qu'il y a une question du destin et que ça va peut-être devenir ta chaîne Twitch ou ta chaîne YouTube plutôt préférée de tous les temps. Et tu pourras dire, j'y étais, j'étais là au début de sa chaîne. Voilà. Ah non, c'est l'humo. Oh ouais, c'est nul. Pardon, excuse-moi l'humo, j'ai pas tous tes comptes en tête. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Je suis content de te voir, je suis content de te voir. Quoi? J'en étais sûr, ça va. Oh, m'oblige pas à la mettre, hein. Alerte second degré. Alerte second degré. C'est bon, hein. On peut plus rien dire. Merde. Tu veux que je regarde pour les posters, si je peux t'en avoir d'autres? J'ai quelques amiibo que je peux scanner pour les choper. Je doute que ça se fasse monter de 2%, mais bon. Bah en fait, Alzuria s'occupe de ça, Seven. Elle m'en a déjà apporté plus de la moitié. Il y en a quelques-uns qu'elle a pas. Qui sont... Alors, si tu vas voir sur la Nook Database, Seven, et que tu cherches posters, tu vas voir tous les posters que j'ai déjà et ceux que j'ai pas. Et ceux que j'ai pas, dans l'ordre alphabétique, là on est au L à peu près. Tu peux considérer que tous ceux que je ne possède pas, qui commencent pas par un L, c'est ceux qu'Alzuria n'a pas et n'a pas pu m'apporter du coup. C'est compliqué. Je laisse le leurre qu'il reste deux épisodes. Ça marche, Lucas. Enfin, l'humo, du coup. Il est outré. Il est outré. Hop, je range ça. Champ de céréales aussi, argile, le sac. Tac, tac, le landau. La chaîne IFI. Les soquettes, le tampon nasal du cul, la mauvaise herbe, tout. C'est rangé. Je vends les fossiles. Tu peux, vas-y Seven. Faut que je regarde les articles phares d'ailleurs. Ok. Article phare. Chaise en bois et bagel à la citrouille. Ouais, ok. Non, ça va. Ça va, ça va. Hop. Parce que la flemme. La flemme, on va ranger viteuf tout ce que Alzuria nous a apporté. Et après, on va sur l'île de Joe. Ok. Ça vous motive ou quoi? On est chaud pour l'île de Joe? Ouais. L'île de Joe, l'île de Joe, l'île de Joe. Oh, oh, oh. Joe, 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 Joe. Que j'en fais des caisses, c'est possible. Peut-être bien en vérité, peut-être bien. C'est bien pratique ce rangement quand même. Et j'ai 2400 places qui vont être très très vite remplies.
D'où ma volonté de vouloir encore agrandir le stockage. Parce que pour le 100%, c'est quand même utile. Ça m'évite d'être obligé de vendre des objets. Après, je me dis, on a moyen de monter à peut-être pas loin de 44% en chopant les cartes scannées, là. Il y a plein de trucs à acheter à l'île de Joe, potentiellement, aussi. En train de mettre tous les arbres fruitiers au même endroit, j'ai envie de mourir tellement c'est long. Putain, j'ai fait ça sur ma précédente île. J'avais une forêt d'arbres fruitiers. C'était un peu galère. À un moment donné, je vais le faire pour décorer l'île, c'est sûr. Toujours sympa avec les viewers ici. Merci, VNT. Merci beaucoup. Très bien. Eh ben, allons-y. Allons-y. Ba-la-la-pa-pa-la. Je veux voyager. Est-ce que vous avez une technique sans online pour avoir tous les fruits? Je crois pas. Je crois que tu peux en avoir 3 différents maximum. Genre, t'as le fruit que t'as de base, t'as un fruit que les habitants peuvent t'offrir, et t'as les noix de coco chopables sur les îles. Mais sinon, si tu dois pouvoir tomber sur des îles secrètes avec des fruits que t'as pas, mais j'ai un doute sur le fait que tu puisses tous les avoir. Je suis pas sûr de ce que j'avance, Sukai, je suis pas assez pro. C'est parti! Je vais scanner mes premières cartes de la vie. J'ai jamais fait ça. Par contre, on va commencer par aller voir tous les vendeurs. D'abord. Je pensais par courrier, mais ça marche plus, je crois, dans cette version. Bah, le courrier passe par le online aussi. Je m'amuse beaucoup à faire des clips aujourd'hui. Première fois que j'en fais autant sur un seul live. Mais je suis content que tu kiffes. Moi, j'adore regarder les clips que vous faites après. Et je suis content d'en faire des TikTok aussi. C'est rigolo. Tu viens de détendre mon chou? Bah, je voulais une nouvelle coupe, mais t'as pas l'air motivé. Astrid? Lis mon avenir. Non, c'est trop tard. Faut venir en début de journée, je crois, pour Astrid. Sarah! Ta revisite m'enchante. Alors... Nook Database, all item, mur de lierre. Je ne possède pas le mur de lierre, j'achète. Jamais trop tard pour Astrid. Bon bah j'irai parler à Astrid. C'est surtout qu'après on va time travel jusqu'au jour suivant. On est bientôt au changement de jour, là. Mur, vitre, de train. Cool. Ok. Merci. Elle est trop mime, Sarah, j'adore ce perso. Sol parking. Le parking, c'est nouveau aussi. C'est cher par contre. C'est un peu cher, Ross. Dormez plus que 4 heures, c'est un conseil. Ça vous évitera de bailler en live devant tout le monde. Solde de salle de sport, ok. C'est noté. T'as double de tranchant, soit t'es maudit donc goûte de changer de jour, soit t'as de la chance. La chance, ça peut m'apporter quoi du coup? Je me souviens plus en gros. Tapis hawaïen bleu.
Hawaïen bleu, je ne l'ai pas. Ok. C'est hyper long les dialogues avec Sarah par contre. Poids monochrome, je crois que je l'ai lui par contre. Ah non, j'ai le papier peint mais j'ai pas le tapis. Good. J'adore les tapis en plus. Par contre la rose à côté, je crois que je l'ai. Rose jaune. Je l'ai, ouais, effectivement. Et j'ai la rose rose aussi. Il me manque le tapis rose rouge et rose blanche. Et chine rouge. Pardon, je l'ai pas. Je crois qu'il y a que Kali que j'ai et que tu as pas encore niveau poster. Ah, si tu veux le... Si tu sais pas quoi en faire et que tu veux l'envoyer, moi je suis toujours chaud, hein. Il te faut le code ami de la Switch, j'imagine. C'est la commande point d'exclamation SW. Si jamais. Un jour, il va falloir qu'on aille les voir eux. Mais il va falloir beaucoup de thunes. Ça, ça va nous faire avancer très fort dans le catalogue aussi. Racine, qu'as-tu pour moi? Ça apporte plusieurs choses. Plus d'amitié, plus de thunes. Outil incassable. Ah, quand même. Du blé, j'ai déjà, des patates, j'ai déjà, azalée, j'ai déjà, camélia, j'ai déjà. Bon. Rien chez Racine. Ces deux-là sont fake. Je crois, hein. Et d'ailleurs, on les a rentrés tout à l'heure. Tablette édifiante, je me souviens d'avoir rentré, mais... Je me souviens que la bleue, c'est la fake, hein. Ouais. Et l'autre, c'est le visage... Non, c'est tête, quelque chose, peut-être. Sculpture. C'est sculpture déterminée, et celle-là est fake parce qu'il sourit. Les deux sont fake. Et j'ai déjà les fakes, donc c'est pas la peine. C'est non. Par contre, on peut tirer sa tombola. Ah ah! Mais serait-ce Seven? Tout à fait. Oui. Merci pour la future participation. 500 clochettes le ticket, chaque ticket est gagnant. Je vais en faire 10. Glace italienne, baie vanille. Baie vanille? Ah oui, je l'ai. Je l'avais pas. C'est nouveau. Ça fait un nouveau truc. Mon dieu, merci Ekiloa pour le follow. Bienvenue à toi. Merci pour le soutien, c'est gentil. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne matinée. Beignet au chocolat. Bienvenue sur le 100% d'Animal Crossing. Je n'avais pas ce beignet au chocolat, il intègre donc ma liste d'objets obtenus. Ça me tente. Canette de jus de pamplemousse. Pamplemou. Il le trouve pas. Canette de... Ah. Il est pas sur la database, lui. J'ai canette de boisson sportive, canette de café, canette de jus de pomme, canette de jus de raisin, de jus d'orange, de jus de citron, de thé vert, mais j'ai pas de pamplemousse.
Oh, ce serait pas étonnant qu'il y ait quelques oublis, mais... Ça, c'est le cinquième. Éventail rose pêche. Est-ce qu'à un moment, ça s'épuise, son stock? Éventail rose pêche. Bam. Sixième. Glace italienne au chocolat. Ah, bah celle-là, je l'ai déjà, malheureusement. Septième. Éventail rose pêche, j'ai déjà. Éventail orange amer. Je ne l'ai pas. C'était le huitième, c'est ça que j'ai dit? Donc ça c'est 9. Je sais pas compter. Béni à la fraise, je crois que je l'ai. Ah non, je l'ai pas. Énorme. Et ça fait plein de nouveautés, c'est cool. Il y a un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps, c'est du craft aussi. Peut-être c'est l'occasion de faire une grosse session de craft. Beignet au matcha, je l'ai pas non plus, let's go. Pour continuer d'avancer dans le 100% là. Ok, on a eu plein de nouveaux trucs. Blaise est pas là parce qu'il est sur mon île. Je vais aller stocker toutes les nouveautés chez Tortimer. Oh, il a menti! Il a dit jus de pamplemousse, mais en fait, c'est jus de raisin, vous avez vu? Il y a un bug! J'ai trouvé un bug! Bon, bah, je note jus de raisin, alors. Putain, il y a un bug sur Animal Crossing, c'est fou ou pas? Mensonge, on m'a menti! Ok, comment ça marche, alors, le scan de cartes? Faut parler à Joe? Yo, Loupio, ça roule. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur mon île. Le studio est ouvert, donc n'hésite pas à l'utiliser si tu te sens d'humeur immortalisante. Comment ça fonctionne? Ah! Quand A s'affiche, tiens ton amiibo sur la zone NFC pour appeler le personnage correspondant. Ah oui, sur la manette, c'est devant. Vous savez quoi, on va commencer par celui que veut venter, c'est-à-dire, enfin, celle, c'est étoile. ok, il y a le A en bas, donc. C'est à quel endroit? Oh, ça a marché! C'est magique! C'est exceptionnel! Cette tête. Allô? Faire la WC, je peux pas lui parler du coup? Faut juste que je place ses meubles. Recolette. Et comment je sais résident? Comment ça marche? Est-ce que j'ai ces meubles du coup? Ça dit quoi? Bah je viens de scanner la carte de étoile qui vient de nous rejoindre. Mais du coup, est-ce que j'ai ces meubles? Et comment je peux les reconnaître? Tu les fais venir tous, tu rentres chez toi et tu peux commander depuis la borne. Ah ouais? J'ai juste à... Ok.
Donc là, on va avoir Marty, par exemple. Oh, il est mignon. Shay. Salut. Chelsea. Ok. Ria. Ok. Toby. Ok, c'est la Gigateuf. Tous mes best bros, bien sûr. Salut JB. Comment il va? Marty est vraiment mignon. Hein. Ils font tous un AVC. Et du coup, là, je peux rentrer chez moi. Et commander les items, c'est ça? Mais du coup, ça les catalogue directement. On est d'accord. S'ils sont dans mon catalogue, ça veut dire que, ils sont considérés comme étant obtenus, on est d'accord. Donc il va falloir qu'on les catalogue nous. Je vais rentrer et je vais commander les meubles étoiles pour Vente. Mais j'ai pas besoin de moi les commander pour valider que je les possède en fait, c'est ça. Envie de dormir 12 heures par jour, mais nickel. Là même ici. On est d'accord le chat, tant qu'ils sont dans mon catalogue, ça veut dire qu'ils sont possédés. Par le 100%. Ça veut dire que je peux les commander à tout moment. Alors, fais voir. Ah, ton téléphone sonne. Allô? Bon, salut, c'est Joe. T'as laissé un bordel monstre chez moi, il y a des gens partout. Je t'entends pas bien, mais je crois que c'est parce que tu dis rien. J'ai oublié de te parler d'un truc quand tu es passé à Photopia. Voilà, concernant les modèles que tu invites au studio, je me suis dit que j'allais leur tirer le portrait pour marquer le coup et en faire des posters. Cool, non? J'ai tout organisé avec Nook Shopping pour que tu puisses passer commande chez eux, du coup. Bah, n'hésite pas à passer commande. Sur ce, je vais pas t'aboyer dessus plus longtemps. On passe donc me voir un de ces quatre, à plus. Ok. Et comment je vois du coup les nouveaux? Ils sont notés comme étant... Comme ça que t'as les posters, oui d'accord. Coucou Soso, comment ça désolé? Pourquoi t'es désolé? Tu vas trop vite? Comment ça je vais trop vite? Comment ça? C'est pas là? J'ai 2 heures de retard. Mais t'as pas à être à l'heure, Soso. Ah, c'est là? Voilà, il y a les posters au moins. Attendez, est-ce que je les ai tous ceux-là? D'ailleurs. Probablement, hein. Probablement, mais vérifions. À côté. Oui, je regarde juste les posters avant. Je vérifie. Shy. Bah non, je l'ai pas. Attendez. Ou alors je suis bourré, mais... Merci Soso pour les 3 visionnages. J'avais envie d'être à l'heure. Ah bah oui, mais ça c'est autre chose, mais t'as pas à t'excuser. J'espère que ça va, Soso. Attendez. Shy. Je trouve pas Shy dans les posters. Attendez, je vais taper directement. Merde, j'ai tout cassé. On va taper directement Shy. Poster de Shy. Ah si, je l'ai déjà. Chelsea. Poster de Chelsea. Cinnamon Roll.
crois que je l'ai aussi. Je vérifie, on sait jamais, hein. Hello Kitty, je l'ai, c'est sûr. Kero 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 Pi, je l'ai. Kiri et Lala, je l'ai. Marty. Marty, je l'ai peut-être pas, par contre. Non, je l'ai pas, parce que Azuria n'est pas encore arrivée jusqu'à Marty. My Melody. My Melody. Je note. Pom Pom Purin. Excuse-moi. Ok, ok. C'était pas top ce matin, mais ça va mieux. Ah! J'espère que ça ira mieux sur le live, en tout cas. C'est le but, toujours. Ria. Poster de Ria. Toby. Poster de Toby. Hop. Et étoile. Poster d'étoile. J'ai pas le poster d'étoile. Ok. Ah! Article promotionnel? C'est ça ou pas? J'ai reçu le poster de Kali, tu me diras quand, comment tu le veux. Tu peux l'envoyer par courrier, c'est bon à la limite. Ok, bah on peut cataloguer tout ça alors. Arbuste. Sinon je tape juste Hello Kitty finalement. Alors, chaise Hello Kitty, c'est noté. Commode Hello Kitty. C'est mignon ces meubles. Horloge Hello Kitty. Lit Hello Kitty. Table Hello Kitty. Coiffe Hello Kitty. T-shirt Hello Kitty. Robe Hello Kitty. Chaussure Hello Kitty. Mur Hello Kitty. Sol, Hello Kitty, et bien évidemment, le tapis, Hello Kitty, bien sûr. Énorme. Très mignon, très mignon. On a tous un peu de la poster d'étoile. Ensuite, on a Pom Pom Purin. 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 Alors, buffet, Pom Pom Purin. Pom Pom Purin. Chaise, Pom Pom Purin. Pom Pom Purin. C'est parce qu'il a un caca sur la tête. Flan, pom pom purin. Le flan. Lit, pom pom purin. C'est un caca ou un gland, hein, je sais pas. La table, pom pom purin. Bien sûr. La belle table. La télé, pom pom purin. Quelle angoisse. La perruque, pom pom purin. Bien sûr. Le t-shirt, pom pom purin. Oui. La tenue, pom pom purin, évidemment. Les bottes, pom pom purin, elles sont laides, quel enfer. Pom pom purine. Bah en français c'est pom pom purin. Ça me fait rire. Le mur, pom pom purin. Le sol, pom pom purin. Et bien évidemment le culte, tapis. Pom pom purin. Ça, c'est Marty, du coup, c'est ça? Attendez, parce que sur les cartes, on les voit, les... Ouais. Du coup, Ria, c'était Hello Kitty. Marty, c'est Pom Pom Purin. Voilà. Cela, c'est fait. Y'a rien qui va sur cette série. Non, y'a rien. Ensuite, on a Kiki et Lala. Ah, c'est ceux-là pour Vente, je crois. C'est ceux qui vont avec Étoile. Kiki et Lala. Tu veux tout le set, Vente, c'est ça? Kiki et Lala. Alors, on a le canapé Kiki et Lala. Un peu envie d'avoir ce tapis chez moi. Le tapis avec un anus de chien dessus? Ah, mais je vais pas pouvoir tout commander d'un coup, j'imagine. Ah oui, 5 commandes. Oh non! Ah, je le ferai, je ferai quand on changera de jour. Horloge, Kiki et Lala. Lit, Kiki et Lala. Le tapis cul, mon item préféré, tu m'étonnes. Machine à nuages, Kiki et Lala.
le mets dans le couloir devant l'appart. Parfait. Ouais, ce serait nickel. La table, Kiki est là. La baguette, Kiki est là. La barrette, Kiki est là. Le t-shirt, Kiki est là. La robe, Kiki est là. Les escarpins, Kiki est là. Les chaussettes, Kiki est là. Le mur, Kiki est là. Le sol, Kiki est là. Le sub, Kiki est là. Merci beaucoup, Soukai. Et yo, Daniel, yo, je t'ai vu. Oui, je t'ai vu. On t'a vu, Daniel. Allô? On t'a vu. Tout va bien, on t'a vu. Le sol, Kiki est là. Et du coup, le tapis, Kiki est là, qui est très mignon. Merci, Vente, pour les 100 bits. Merci beaucoup. Merci. C'est Kiki et Lala. Ok, ça se fait. Oh, par contre, il m'a pas vu. Ah, il est sur YouTube, c'est pour ça. Je vais bien, et toi, Daniel? Comment vas-tu? Bienvenue. Cinnamon Roll, ça, c'est... Shy, du coup. C'est Shy. Cinnamon Roll, du coup. C'est pas Cinnamon Roll. Cinnamon Roll. Salut, YouTube, hein, bien sûr. Le canapé, Cinnamon Roll. Le panneau. Cinnamon Roll, qui est très mignon, ce panneau. Il est très, très mignon. Le parasol, Cinnamon Roll. Le plateau, Cinnamon Roll. La table, Cinnamon Roll. Il est mignon, ce set aussi. Oh, le tabouret, bébou! Oh là là! Le chapeau, Cinnamon Roll. Pétard, qu'est-ce qui se passe? Le chemisier, Cinnamon Roll. La veste, Cinnamon Roll. Paire de baskets, Cinnamon Roll. Le mur, Cinnamon Roll. Le sol, Cinnamon Roll. Et enfin, le tapis, qui est extrêmement mignon également. Ça vaut le coup de changer de couleur et d'avoir une épée. De hâte. Quoi? Il y a un message que j'ai loupé, c'est ça? Tu peux envoyer avec offrir 2 par jour. Ah, ok, attends. On va remonter sur le canapé Kiki et Lala. Offrir. Et ben à bientôt, Daniel. C'était super, en tout cas. C'était super. Venter à quoi? À bientôt, Daniel. Tiens, carte cadeau pour Venter. Je te l'envoie comme ça. Hein. Rémunérer, invisibilité, courage. Oh, arrêtez. Arrêtez. C'est bon. Faites-le, vous. Faites-le. Oh. Malheur, je sais pas où faire cette forêt d'arbres fruitiers. À un endroit dont tu te fous. Voilà. Fin de l'aide. Yo, Daniel, comment vas-tu? Je le fais donc pouette. Oui, bah bravo à toi. T'es meilleur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis nul, je suis un mauvais streamer, voilà. Et on peut en offrir que 2, c'est ça? À la même personne. Eh oui. Je vérifie. Ok. Faudra que je pense à faire les autres. On était à My Melody, qui sont ceux de Chelsea. Du coup... Vente rémunérée en bière en terrasse. C'est ça, elle est rémunérée en bière en terrasse. Surtout que c'est pour Vente, c'est pour que Vente soit heureux. Bah, je sais. Quand je te hâte, normalement, ça surligne. Bah, pas dans mon nouveau chat, en fait. Dans le chat multiple, ça surligne rien du tout. Malheureusement. Ce serait bien, mais...
Merci à la personne anonyme pour son gift à Rousserante. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est un train de la hype, mesdames et messieurs. Merci pour le soutien. Malgré que je sois un mauvais streamer. My Melody. On a donc la chaise, My Melody. La coiffeuse, My Melody. Oh, les petites oreilles, incroyable. L'horloge, My Melody. Le lit, My Melody. La table, My Melody. La capuche, My Melody. La chemisette, My Melody. La robe, My Melody. La paire de bottes, le mur, le sol, hein. Et le tapis. Oh, le tapis. GG anonyme. Anonyme, ouais. Il fait exprès de pas le voir. C'est ça. Allez-y. Je peux plus resub, ça me rendait très triste. Bon, bah non, bébou. C'est pas grave. Je renvoie le mien au cas où. Je peux pas t'envoyer de courrier pour le poster, Arnaud. Comme on n'a jamais coop, je le garde de côté si jamais. Attends, je réfléchis. Je peux ouvrir l'île sinon. Si on est amis Switch, je peux ouvrir l'île, comme ça tu seras venu au moins une fois. J'aime beaucoup la collection Elle est sympa la collection Manana. Et enfin on a la collection de Tabi, qui est la collection Kero. C'est hyper long. Kero. On a donc le couloir Kero. L'Anka Kero. La lanterne, Kero. Le pont, oh, c'est stylé, j'adore, c'est mon préféré, je pense. Kero. La poupée, Kero. La table basse, Kero. Pourquoi il y est pas? Je vois pas la table basse. Bizarre. La barrette, Kero. Le débardeur, Kero. La tenue, Kero. Les bottes, Garog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 ar
Lance ton alerte second degré. Ah bon ? Je vais te rincer les yeux, tête de cul. C'est toi la tête de cul. Merci pour le train de la hype. Merci pour les 2 abonnements et les 100 bits, tiens. Alerte second degré. Alerte second degré. C'est pour vous détendre. Question pour Rourou. Abus, trahison, disgrâce. Mais waouh. Waouh. On en est où dans les pourcentages, du coup ? Avec tout ce qu'on a récupéré, là, parce que ça nous a probablement pas mal avancé, ça aussi. Tac. 43,8%. Toi, tête de cul, t'en fais des caisses. J'en fais des méga caisses, ouais. Re, Alzuria. Soso a choisi la violence. Bah ouais, forcément, c'est la solution de facilité, la violence. Toujours. Toujours. C'est honteux. Je suis en route. Il est en route. On arrive. Par contre, cette gueule que j'ai, c'est exceptionnel. Ça, c'est le visage du charisme. Ça. La meilleure baston de Twitch ici pour vous, messieurs, dames et autres créatures. Créatures. On retourne à violence contre les oppresseurs. Johan au hasard. Johan Pétas, bien sûr. Je choisis l'injustice, quoi. Première fois que je multi sur cette partie, donc le dodo blablate. Ah ouais, bien sûr. T'inquiète, on n'est pas pressé. Je vais en profiter pour aller chez moi et changer de coupe de cheveux parce que j'en peux plus. Et changer de lunettes aussi. Et une fois que c'est fait, on change de jour, mesdames et messieurs. Même si j'ai mis déjà 3 heures à faire cette journée, on a récupéré beaucoup de choses. Aïe. Drama Queen, bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Villageois de poche. Faudrait que je change mon titre un jour aussi. C'est long. C'est si long. Je vais faire carrière en tant qu'actrice. Ah ouais, il faut. Ça, Seven ? Ça va, mec ? T'es tombé dans l'escalier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça ? Bienvenue, hein, mais t'es sûr ça ? Bébou ? Bah alors ? Il a glissé dans l'avion, en fait. C'était mauvais de venter. C'est raccord. Attends, je t'accueille avec une meilleure coupe de cheveux, Seven, j'arrive. Où est-ce que j'ai un miroir dans la salle de bain, là ? Je viens de recevoir un message bizarre. Oh là là là, mais cette coupe de cheveux, comment on fait ? Coiffure. Eh, beau gosse. Celle que j'avais à la base, c'était ça, non ? Non, c'était pas ça. Mais celle-là, elle est rigolote. Nickel. Je suis haché, c'est les sœurs et j'ai pas changé depuis. C'est très mignon. C'est très très mignon. J'arrive. Parfait, cette petite tête là. Coucou Rua. Bon courage pour le 100%, j'ai mis énormément de temps pour le mien. Il me reste que les tampons à tous obtenir. Les tampons, que sont les tampons, Rura ? Et GG pour ton 100%. Combien de temps t'as mis, toi ? T'es où, Seven ? Où qu'il est ?
qu'il est. Oh, il attend sagement en bébou. Salut. Bienvenue. J'espère que ça va. Les achievements du téléphone. Ah oui, d'accord. Ouais, il y en a des très longs. Ouais. Tu connais Rura, Colette? C'est fou, le monde est petit. C'est le poster de Kali, merci beaucoup. Kali, du coup. Je le note. Poster de Kali. Merci beaucoup. Tiens, une petite danse pour te féliciter. Quasi 3 ans pour le catalogue et 1 an pour le musée. Ah ouais. Ah quand même. Quand même, quand même. Heureusement que je suis aidé par la commu. Tu veux voir un médecin, Seven? Ouais, et j'ai récupéré, Azuria, au passage, les posters, du coup, de Toby, de... Bon, Chastity, je l'avais. De Toby, de Étoile, de Marty et de Ria. Voilà. Tardis on Colette, ils ronron. Quoi? J'ai pas la ref. Qu'est-ce que vous dites? Je passe de temps en temps chez Colette. Et c'est complètement compréhensible. Voilà. Passez vous aussi chez Colette, mesdames et messieurs. Regardez, ça et quoi? Je l'ai pas fait depuis un moment. Mais c'est gratos, fallait pas repop, Colette. Tiens, prends ton choutoute. Dars Colette, allez-y. Elle fait du speedrun, notamment. Juste, on est trop bien sur sa chaîne. Allez-y. Foncez. Droit devant. On y va. Go, go, go. Il y a un petit cœur dans votre chat Twitch. Cliquez dessus. Voilà. Elle a fait Baba Is You, c'était sympa. C'est quoi Baba Is You? C'est un jeu? La ref, c'est le jeu Baba Is You, un jeu d'énigmes hyper mindfuck. Ok! Ok, ok. Ça a l'air cool. J'ai failli faire une Claude François comme une bébête avec mon changement de luminaire. Oula, Sukai, fais attention, s'il te plaît. On évite. Quand on sera sur la fin, tu me diras ce qui te manque. Vu que j'ai eu des cartes entre temps, j'ai peut-être oublié des habitants. Je peux te dire maintenant si tu veux. Comme ça, tu sais. On va essayer d'éviter. Éviter. Surtout qu'elle a fait ça l'été dernier de mémoire pendant la canicule. Oh waouh! Avec le cerveau qui boue. Ok. Qu'est-ce que j'aurais éventuellement à faire encore sur cette journée? Je crois qu'on est bon, hein. J'ai cliqué parce que j'écoute bien les consignes. Merci, Laetitia. Ça, c'est une bonne chose. Tu m'en diras des nouvelles, d'accord? On verra une fois que j'aurai tout envoyé. Ok, ça marche. C'était bien ces vacances accomplies-t-il, oh là là. Merci d'être passé, Seven. Merci pour le cadeau. Comme ça, on pourra s'envoyer des lettres, maintenant. La fusion avec la chaise gaming était réelle. Ah, terrible. Je l'ai fait à 100%, y compris les énigmes. Oh, waouh, t'es motivé, hein. Ouais, il en manque beaucoup encore. Ok, ça marche, Azuria, on fera ça. Je vais aller me soigner. Mais ouais, parce que t'as pas l'air bien en point. Hein. J'ai entendu speedrun, j'ai cliqué direct. Ah ouais, non, mais trop bien, le speedrun chez Colette. Tiens, d'ailleurs, il y a Tidorfa qui s'est mis au speedrun aussi. Que je vous invite à suivre. Également. Tiens. Mériter, elle est même pas là, mais elle va mériter son choutoute aussi. Choutoute, Ditrine, mais allez, follow. Cliquez juste, dites rien. Et vous arrivez chez elle comme si vous aviez toujours été là. Dites rien. Pareil, dites rien. Ta la ta 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 ta. Pouli-pi-pouli-li-lou, c'est... Pas là du tout. Console. Dateur actuel. Nous sommes le 2 mai à partir de maintenant. Et je vais mettre la bonne heure parce que ça me perturbe. Voilà. C'est parti! Rien, dites rien. J'aime beaucoup les jeux d'énigmes avec Colette. En même temps,
Les jeux d'énigmes, c'est bien. Colette, c'est bien. Les deux, c'est bien. Speedrun chat et Dozer à spaghetti. Ton truc qui va être lent, c'est les modèles d'insectes et de poissons. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça va être un des trucs qui va poser problème, ça. Du coup, je commence à stocker des créatures en avance. Je bloque sur les quelques derniers mondes de base. Ah, mais tu joues aussi, JB? Impossible sur les solutions ou brute force pendant des heures, mais j'ai pas la foi. Ouais, je comprends. C'est quoi le prochain jeu d'énigmes? On va savoir. Re-Héloïse! Comment ça va depuis tout à l'heure?